informer les communautés de Zakouta sur les méthodes de dénonciation et d'alerte rapide des cas de violence faites aux femmes et aux filles. C'est l'objectif de la présente séance Théâtre Fora de sensibilisation grand public initiée par Rifonga Bénin. Une rencontre qui est l'une des composantes du projet Agir pour la réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans 9 communes dans 3 départements du Bénin. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans 9 communes, dont Zakouta. 2 résultats sont attendus de la mise en œuvre de ce projet. La connaissance des communautés de 9 communes de 3 départements du Bénin, à savoir Agbayizon, Zakouta, Djidja, Ndali, Perere, Parakou, Adjawere, Ifayi et Ketou. Sur les dispositions de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 sur les violences faites aux femmes, s'est améliorée. Empêchée, l'autorité communale s'est fait représenter par son secrétaire général qui a promis œuvrer pour le relais de la présente séance de sensibilisation qui vise également la vulgarisation de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles en République du Bénin. Le conseil communal de Zakouta et moi-même, nous nous engageons à œuvrer et à faire connaître aux communautés les dispositions de la loi suscitée afin de susciter la dénonciation par les victimes et leur entourage. En effet, les efforts consentis par le Rifonga Bénin pour la promotion des droits humains, ce projet a pour objectif de contribuer à la réduction des violences faites aux femmes et aux filles dans leur commune, dans la nôtre. Je voudrais adresser toute ma gratitude aux partenaires financiers de cet événement, à savoir l'AWDF, pour leur appui à Rifonga et pour les différentes actions de développement menées sur toute l'étendue du territoire national. Place aux différents tableaux théâtrales qui ont levé un coin de voile sur les cas de figure des violences à l'égard des femmes. Sais-tu vraiment qui tu as fait? Je suis le PDG de la plus grande entreprise du pays. Et j'ai les bras longs. Très longs. Toutes celles qui ont refusé de collaborer avec moi en ont subi les conséquences. Je ne te souhaite pas ça, car tu mérites mieux. Mais cela mérite que tu me gratifies. Juste une nuit. Juste une, mais quand même, c'est pas si compliqué là. Le droit de cuissage, monsieur, est une barbarie à l'égard de la femme. Pourquoi n'existe-t-on rien des hommes pour les recruter à part leurs compétences professionnelles? Mais de quoi parle-t-elle?
elle fait la sourde quoi. Mais c'est le destin des femmes. Vous êtes bonne à rien hors du domaine conjugal. Mais pour peu qu'au nom de la parité, on vienne vous accorder des opportunités de travail. Mais est-ce trop demandé de vous connaître en profondeur? Dans le rang des participants, l'engagement a été pris d'être les ambassadeurs de Rifonga Bénin au sein de leur communauté. Je remercie d'abord Rifonga Bénin, parce que c'est grâce à Rifonga Bénin que moi je peux parler maintenant. Parce que d'après cette séance, moi je peux aller dans mon village, dans mon quartier, même dans mon foyer, moi je peux parler maintenant des violences faites aux femmes, comme c'est une mauvaise chose, moi je peux parler de ça. Parce que ça nous a montré, par cette séance, nous pouvons donner les différentes sortes de violences faites aux femmes, dans les administrations, dans les familles, dans les foyers, même concernant les droits de l'enfant. Un enfant placé, il y a trop de violences sur ses droits. Les hommes aussi, je leur dis de faire beaucoup attention, parce qu'avec l'évolution du monde maintenant, n'importe quel homme qui va faire les violences là sur une femme, on va le sanctionner sévèrement. Donc, là maintenant, tout homme doit connaître la valeur d'une femme. Prévu pour durer 11 mois, le projet Agir pour la réduction des VFF dans 9 communes, dans 3 départements du Bénin, après l'étape des séances théâtre Fora de sensibilisation grand public, cédera place à la formation de 162 filles des milieux professionnels en apprentissage sur la santé sexuelle reproductive et la notion de parenté responsable. La suite, c'est la formation des filles à raison de 18 par commune. Et ces filles seront identifiées dans tous les milieux professionnels, disons artisanaux. Parce que là, il s'agit des apprentis. Et en fonction également du nombre d'arrondissements qui se trouvent dans la commune. Donc nous devons avoir des cibles bien réparties dans la commune. Donc au minimum 2 par arrondissement. Je voudrais dire à tous les hommes que la loi existe et elle est applicable. Il n'y a plus de règlement à l'amiable. Si quelqu'un commet des actes à l'égard des femmes, l'intéressé sera sanctionné par la loi. Et que ce n'est plus de la plaisanterie, les pressions n'auront plus droit de citer. Un pas de géant pour Léontine Idowu et son équipe dans le cadre de ce projet entièrement financé par la WDF. L'un des défis majeurs pour Rifonga Bénin est de parvenir à boucler le financement nécessaire après la phase pilote de ce projet en vue de faire bénéficier ce programme aux 77 communes du Bénin. En attendant, le 7744 reste ouvert gratuitement pour les cas de dénonciation de violences faites aux femmes et aux filles en République du Bénin.